la question de la confiance est évidemment essentielle. Essentielle, cette confiance que l'on a envers les robots, cette affection, cette projection. Néanmoins, il convient de ne pas oublier que ces robots, de manière générale, sont conçus aussi par les départements marketing des entreprises, que ces robots restent au service des entreprises, possiblement en envoyant nos données personnelles très largement, que leur blancheur, comme leur bienveillance, pourrait aussi être finalement presque un piège. Oui, alors dès qu'un humain interagit avec un robot, qui lui parle, qui semble se soucier de lui, eh bien l'être humain a tendance immédiatement à oublier que ce robot a été fabriqué pour être acheté, et l'être humain a aussi tendance à oublier que ce robot est relié quand même à son serveur central et qu'il communique en temps réel ou en différé l'ensemble de ce qui lui est dit ou même de ce qu'il filme à son serveur central, donc à son propriétaire. Et donc les robots vont nous confronter à des nouvelles formes de saisie de données. Aujourd'hui, nos données personnelles sont saisies quand notre téléphone mobile est allumé, quand nous ouvrons notre ordinateur, quand nous mettons des messages via Internet. Mais avec les robots, eh bien, cette capture de nos données personnelles ne va plus seulement être à certains moments et en connaissance de cause de la part de l'utilisateur, mais cette capture de données personnelles va être permanente et implicite. Elle ne sera plus occasionnelle et explicite, elle va être permanente et implicite. Donc évidemment, ça va poser des problèmes de protection de la vie privée considérables. Il a d'ores et déjà été montré à Tokyo, il y a quelques hôtels qui ne fonctionnent qu'avec des robots, sauf pour refaire les lits. Ça, c'est du personnel humain, c'est un peu compliqué, mais sinon, les gens qui vont dans ces hôtels n'en faire que des robots. Dans les chambres, il y a évidemment un petit robot avec lequel les usagers peuvent interagir, c'est normal, ils vont dans un hôtel, il y a des robots, ils veulent qu'il y en ait un dans leur chambre, donc ils interagissent avec le robot, ils jouent avec lui, ils discutent avec lui, et puis il y a une petite étiquette qui indique que pour des raisons de sécurité, le robot est relié en permanence à un PC de sécurité. Donc tout ce qui est interagi avec le robot est communiqué au PC de sécurité. Il a été montré que beaucoup de gens, quand ils ont fini de jouer avec le petit robot, ils vont peut-être prendre leur douche, ils vont aller au lit, ils vont peut-être avoir des relations sexuelles, et personne ne débranche le robot. C'est-à-dire que lorsque nous jouons avec un robot, nous ne pensons pas que ce robot puisse être mal intentionné à notre égard, ou même pas mal intentionné, mais qu'il puisse transmettre nos données à des gens pas forcément bien intentionnés à notre égard. Nous oublions qu'il existe, et donc vous voyez, il va y avoir des problèmes éthiques, des problèmes législatifs considérables. Et il faudra au moins que tous les humains sachent à quel moment leur robot transmet leurs données personnelles. Le problème étant qu'un robot qui ne sera pas interconnecté, il ne sera pas beaucoup plus utile qu'un téléphone mobile en mode avion. Ça veut dire que les humains auront beau savoir que leur robot transmet leurs données personnelles, eh bien, ils auront beaucoup de difficultés à le déconnecter parce que ce robot ne leur serait pas vraiment utile. On devra certainement aussi imaginer de nouvelles lois. Évidemment, la protection des données, c'est une évidence. Mais je pense même aussi, et ça vous l'évoquez, sur la question de la maltraitance. C'est-à-dire, on évoquait tout à l'heure cet humain chez Boston Dynamics donner un coup de pied assez violent sur un quadrupède qui ne tombe pas. Alors finalement, c'est peut-être pour nous dire « regardez, il est invincible ». Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui, sur YouTube, ont réagi « mais que se passe-t-il ? On maltraite un robot ». Et vous évoquez, je crois, dans une conférence, l'idée qu'il ne faudra pas forcément légiférer pour interdire une maltraitance au robot. Pour autant, ça pose des questions. Oui, alors c'est la fameuse vidéo du robot Atlas, le robot Atlas qui est un robot humanoïde, mais absolument pas androïde, donc sa tête c'est une espèce de casque, voilà. Et d'abord, le spectateur est invité à voir le robot Atlas patauger dans la neige, mais il tient très bien son équilibre, une vraie marche de trappeur. La neige recouvre un terrain qui est accidenté, il y a des trous parfois profonds, le robot des fois plonge on l'appelle une jambe, enfin on est obligé, on n'a pas d'autre mot, enfin il plonge un membre inférieur et il arrive à retrouver son équilibre. Puis ensuite, on est très admiratif. Puis ensuite, on voit la même machine transporter des caisses dans un entrepôt. Et puis, il y a un chercheur qui essaye de le faire tomber. D'abord, en le poussant devant, donc le robot retrouve son équilibre. Tous les spectateurs poussent des hauts et des has. On est très admiratif.
du travail du laboratoire Boston Dynamics. Et puis après, le chercheur le pousse dans le dos, et là, il arrive à faire tomber le robot, et le robot se redresse, et là aussi, on est admiratif. Mais ce qui est intéressant, en effet, c'est que dans les jours qui ont suivi, les heures qui ont suivi, il y a eu sur Internet beaucoup de protestations d'internautes qui ont dit « Laissez travailler les robots tranquilles, arrêtez d'emmerder les robots, arrêtez d'être sadiques avec les robots ». Il y a même des gens qui ont dit ben, « On aurait aimé qu'ils mettent un bon coup de poing dans la figure du chercheur, le chercheur l'avait bien mérité ». Et donc, est-ce storytelling ou est-ce la vérité? Toujours est-il que Google, qui possédait la firme Boston Dynamics, l'avait rachetée 2 ans avant, parce que la firme Boston Dynamics, à l'origine, était possédée par l'armée. L'armée l'a vendue, Google l'a rachetée. D'ailleurs, une année où Google a racheté 8 entreprises de robotique, sans très bien d'ailleurs savoir ce qu'ils allaient en faire, mais le patron de Google, à l'époque, pensait que c'était utile de les acheter. Et donc, après cette vidéo du robot Atlas et les protestations des internautes, Google, paraît-il, à cause des protestations des internautes, aurait décidé de revendre Boston Dynamics, et c'est SoftBank qui l'a acheté, SoftBank qui a donc racheté également Aldebaran, qui fabrique le robot Nao et le robot Pepper. Et donc, ce qui est intéressant, bon, c'est de voir en effet que les internautes ont pris fait et cause pour le robot. On a eu un peu la même chose avec le robot Autostoppeur, vous savez, le jour où il a été démantelé par un gamin derrière une poubelle. On ne voit même pas d'ailleurs le démantèlement du robot, ça nous est caché, mais il a été démantelé. On a eu beaucoup de protestations d'internautes. Donc, ça montre que même si un robot n'a pas une apparence androïde, même s'il est humanoïde, ou même très peu humanoïde, comme le robot Autostoppeur, eh bien, il y a une relation empathique qui s'établit avec le robot, et que certains humains peuvent se sentir maltraités eux-mêmes de voir le robot maltraité. Si on voit un autre humain souffrir, on peut souffrir avec lui, c'est une composante de l'empathie. Si on voit un robot maltraité, on peut souffrir de la souffrance qu'on imagine au robot, alors qu'évidemment, le robot ne ressent rien. Et c'est vraiment ce que Weizenbaum appelait déjà une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on sait bien que le robot ne souffre pas, mais on ne peut pas s'empêcher de souffrir un peu avec le robot. Alors, on connaît d'autant mieux le phénomène qu'il a été montré dans l'armée américaine que certains soldats utilisant des robots démineurs, robots Packbot, un robot démineur, c'est une caisse montée sur des chenilles avec un bras articulé, une caméra et un bras articulé. Donc, un robot qui n'a rien d'humanoïde, hein, c'est une caisse de chenilles et un bras. Et il a été montré que certains soldats utilisant ces robots démineurs s'attachaient à leurs robots démineurs au point de se sentir eux-mêmes maltraités quand leur robot était endommagé. Alors il y a des soldats qui se déprimaient, il y en avait même qui parfois avaient mal dans une partie de leur corps correspondant à la partie du robot endommagé, une chenille endommagée à droite, mal dans la jambe droite. Et certains soldats rendaient les honneurs de la guerre à leur robot s'il était détruit, d'autres soldats demandaient qu'il soit réparé, quel qu'en soit le prix, parce qu'ils n'en voulaient pas d'autres, parce que c'était celui-là, le leur, auquel ils avaient donné un surnom, et c'était celui-là seulement qu'ils voulaient récupérer. Et donc l'armée américaine s'est inquiétée de voir que certains soldats pouvaient très bien savoir que ces robots Packbot étaient des machines, et en même temps se comporter avec ces robots Packbot comme si c'était des êtres humains. C'est à la fois savoir que ce sont des machines et se comporter avec eux comme si c'était des êtres humains. Et pourquoi ça a autant alerté l'armée américaine? Parce que le risque était que certains soldats risquent leur vie pour leurs robots. Quand on connaît le prix d'un robot Packbot et le prix d'un soldat américain, on comprend que ça a inquiété l'armée américaine. D'ailleurs, qui a réfléchi depuis à l'aspect à donner aux robots et qui pencherait plutôt pour des robots d'apparence un peu insectoïde, pas du tout pour faire peur à l'ennemi, hein, pas ça du tout, mais des robots insectoïdes pour que les soldats utilisant ces robots ne risquent pas de s'y attacher trop, parce que dans notre culture, les insectes sont plutôt des animaux un peu répulsifs. Voilà. Donc en tout cas, vous voyez un vrai problème de la souffrance que pourraient ressentir certaines personnes avoir maltraité des robots. Donc du coup, il y a des chercheurs qui ont dit « mais alors, il faut donc interdire la maltraitance aux robots pour éviter que certains humains souffrent de voir des mauvais traitements infligés à un robot ». Alors, le remède serait considérablement pire que le mal, hein, pour le coup, parce que le risque serait que des enfants qui démontent leur petit robot pour comprendre comment il est fait se voient opposer par leurs parents qu'il ne faut pas faire de mal aux robots.
Alors vous voyez, toute cette démarche de curiosité enfantine qui est juste, qu'au contraire, il faut encourager, démontons les robots, remontons-les, coupons avec une paire de ciseaux certaines parties, essayons de les recoudre après, de les remettre, voilà. Tous ces jeux avec le robot qu'il faut encourager pour bien comprendre que le robot est une machine. S'il y avait des règles interdisant la maltraitance des robots, ben, les parents pourraient les appliquer à leurs enfants et les enfants grandiraient avec l'idée que les robots pourraient souffrir pour de vrai puisqu'on leur interdit apparemment de leur faire du mal. Donc vous voyez, il faut vraiment éviter cela. En revanche, il va falloir nous éduquer nous-mêmes, hein, à pouvoir, encore une fois, interagir avec ces machines comme avec des êtres humains et savoir que ce ne sont pas des êtres humains. Ça va être, je ne vous le cache pas, très difficile. Et ça va relever de l'éducation, ça va relever de législatif, ça va relever des contraintes imposées aux roboticiens. Mais c'est vraiment un vrai challenge auquel nous avons affaire. Je vais vous donner encore un exemple. Les robots, vous l'avez évoqué, aujourd'hui, ils sont tous de blanc vêtu. Hein, le robot Nao, le robot Pepper, leur corps est entièrement recouvert de plastique ou de métal blanc, avec parfois quelques décorations rouge ou bleu, mais le blanc. Alors, j'ai dit à un ingénieur en robotique, j'ai dit, mais pourquoi vous ne mettez pas à certains endroits du corps plutôt une protection transparente? Il y a des protections transparentes extrêmement solides, mais une protection transparente, et donc l'utilisateur du robot voit que derrière cette protection, ben, il n'y a pas des muscles, voilà, il y a des plaques, il y a des câbles, il y a des fils électriques. Voilà. Et alors, il m'a fait une réponse quand même. Formidable. Il m'a dit, on a essayé, mais ça angoisse les utilisateurs. Ça veut dire que les utilisateurs veulent se cacher à eux-mêmes que les robots sont des machines. Mmh. Alors j'ai dit à cet ingénieur, j'ai dit, mais c'est raison de plus pour mettre des protections transparentes, pour éviter la confusion. Il m'a répondu, mais je sais bien, je suis d'accord, mais les commerciaux ne veulent pas. Parce que les commerciaux veulent vendre des robots qui seront achetés, donc les commerciaux veulent suivre le goût du public. Et donc, comme le public a peur de voir un robot renvoyé en permanence à son statut de machine, les commerciaux vont flatter le goût du public à croire voir dans les robots l'équivalent, peut-être pas d'humains, mais en tout cas d'animaux ou de créatures qui échapperaient au règne des machines pour avoir un statut intermédiaire entre l'homme et la machine. Alors, on ne peut pas ne pas terminer sur une grande angoisse, justifiée ou injustifiée, celle de la robotique et de l'emploi, de tous ces gens aujourd'hui qui nous disent « j'ai rien contre les robots, mais si dans une période où notre relation à l'emploi est difficile, comment résoudre cette question ?» Si ce n'est peut-être en réenvisageant les spécificités des êtres humains. Oui, alors la robotique arrive au mauvais moment. La robotique arrive à un moment où il y a une crise sociale, une crise économique grave. Et du coup, la grande tentation, c'est d'utiliser la robotique pour faire en sorte de réduire cette crise. Ça se comprend. Mais donc, du coup, la tentation, ça va être évidemment de fabriquer des robots qui puissent le mieux possible fabriquer moins cher, voilà, même si ça détruit des emplois. Et puis aussi fabriquer des robots qui soient largement vendus, parce que recherche et développement en robotique, c'est très cher. Donc, des robots largement vendus, c'est ce que j'appelle des robots Nutella. Hein, c'est des robots qui vont être capables de nous flatter. De la même manière que, vous savez, le Nutella, ce n'est pas du chocolat, c'est un ersatz de chocolat, mais il y a des gens qui préfèrent le Nutella au chocolat. C'est-à-dire que le Nutella a été conçu pour flatter le palais. Ben, le risque, c'est que les robots soient conçus pour flatter notre ego, hein, les robots qui vont nous trouver toujours beaux, toujours gentils, toujours intelligents, et puis qui vont, comme on dit vulgairement, nous caresser dans le sens du poil. Voilà. Il y a déjà certains robots qui sont en expérimentation, qui sont sur ce modèle-là. Des robots qui vont nous donner l'impression que ce sont nos meilleurs amis. Et quand ils nous auront donné l'impression que ce sont nos meilleurs amis, ils vont être des formidables prescripteurs de consommation. Ils vont nous dire, tiens, dans ton réfrigérateur, il y a toujours les mêmes choses, j'ai vu que tu aimais la pizza, justement, il y a un magasin à côté qui fait une promotion. Puis vous serez tenté de le croire, votre meilleur ami. En fait, c'est que le fabricant du robot aura passé un contrat avec une chaîne de pizza, cette chaîne-là et pas une autre, et votre robot vous conseillera d'acheter cette pizza-là et pas une autre. Évidemment, vous pourrez dire non, j'aime mieux les pizzas de l'autre magasin, mais votre robot aura quand même une puissance de suggestion. Vous voyez ? Donc les robots arrivent à un moment où la tentation va être grande de fabriquer des robots qui nous flattent, pour devenir très vite des supports de suggestions commerciales, suggestions d'achat, et puis fabriquer des robots qui puissent prendre la place d'employés humains pour réduire les coûts de fabrication. Et donc là, il y a un vrai challenge. Alors, vous savez, les positions sont très disparates autour de la disparition
de ce qu'on peut appeler tantôt les emplois, tantôt les métiers. C'est-à-dire des métiers vont disparaître, ça c'est sûr, mais de nouveaux métiers vont apparaître. Donc est-ce que la diminution du nombre d'emplois sera équivalente à la diminution du nombre de métiers? C'est pas sûr. Si de nouveaux métiers apparaissent, les emplois peuvent diminuer peu, bien que beaucoup de métiers disparaissent. Ce qui est certain, c'est que beaucoup de métiers vont disparaître et que nous ne savons pas quels sont les métiers les plus recherchés demain. Mais vous voyez, ça oblige en tout cas à toute une réflexion autour de la place des robots dans notre société. Et comme je l'évoquais tout à l'heure par rapport aux institutions soignantes, il est bien évident que les robots qu'il faudrait développer sont des cobots, c'est-à-dire des robots qui soient des compagnons des humains, qui accompagnent les humains dans leurs tâches, qui les aident, voilà, et qui permettent à l'humain de garder la main sur le robot, parce que les robots peuvent toujours bugger, ils peuvent toujours dysfonctionner. Les robots, éventuellement, peuvent aussi se heurter à des difficultés qu'ils ne savent pas résoudre. Un petit peu sur le modèle, d'ailleurs, aujourd'hui, de la manière dont fonctionnent les avions. Vous savez, un avion, il peut fonctionner tout seul, mais à certains moments, il peut dire à l'humain qui reste dans l'avion, deux pilotes, eh ben, il y a des choses là que je n'arrive pas à résoudre. Puis des fois, l'ordinateur de bord dit, là, j'y comprends plus rien. Reprenez complètement la main, trois cas de figure. Donc un cobot, il faudra que les humains qui les gèrent soient capables de répondre à ces trois cas de figure. Et ça ne sera pas facile. Il faudra aussi que les humains acceptent que peut-être le robot leur fasse des remarques un peu désagréables. Tu t'y prends pas bien pour faire ça, voilà. Vous voyez, il y a toute une nouvelle manière de travailler qu'il va falloir apprendre, mais il va falloir aussi être évidemment très vigilant sur la manière dont les robots vont pouvoir être utilisés, soit pour augmenter l'humain, hein, soit pour donner plus de pouvoir à l'humain, soit pour remplacer l'humain. Parce que si les robots remplacent l'humain, ça sera donner plus de pouvoir à ceux qui fabriquent les robots et à ceux qui contrôlent les robots. Il ne faut pas oublier quand même que les robots, encore une fois, vont nous faire passer d'un régime de capture de nos données qui est explicite et ponctuel à un régime de capture de données qui va être implicite et permanent. Et donc, les monstres déjà présents sur Google, les monstres économiques déjà présents sur Internet, hein, Google, Facebook, Amazon, risquent de devenir encore plus puissants avec la robotique. Il y a une tradition dans ces entretiens, c'est de terminer avec une question qui est la même, mais à des gens très différents, pour avoir des points de vue très différents. Cette question, elle est toute simple, et là, vous pouvez regarder la caméra en vous adressant à notre public, dont on ne sait jamais totalement qui il est, de très jeune à plus expérimenté, évoquant ces relations qui doivent évoluer aux robots de plus en plus nombreux sous de multiples formes. Si vous aviez, vous, ayant l'habitude aussi d'enseigner, de donner des conférences, si vous aviez, vous, un conseil, une idée à faire passer, pour terminer, un message, qu'est-ce que vous voudriez, sur quel message, peut-être sur la relation, vous voudriez terminer? Oui, alors nous rentrons dans une société de plus en plus imprévisible, à tout point de vue. Et donc, quels sont ceux qui vont pouvoir gérer l'imprévisible? C'est ceux qui vont avoir la plus grande plasticité, qui vont pouvoir s'adapter, qui vont pouvoir changer de raisonnement. Et donc, trouvons les moyens d'encourager chez nos enfants et de développer chez nous la plasticité. Et l'une des manières de le faire, eh ben, c'est justement d'être plus attentifs que nous ne le sommes aujourd'hui à tous les moyens par lesquels les enfants tâtonnent, explorent, développent entre eux spontanément le travail collaboratif. C'est-à-dire toutes ces qualités traditionnelles de l'enfance qui font des enfants à la fois des aventuriers et des petits savants. Hein, voilà. Et donc, soyons plus attentifs à cela et prenons-en de la graine, comme on dit vulgairement. Hein. Ne renonçons surtout pas à rester des enfants, c'est-à-dire émerveillés, mais à la fois avec un émerveillement critique, puisque nous sommes en même temps des adultes, et développons notamment avec les nouvelles technologies et technologies robotiques une amitié, certes, mais une amitié prudente. Cher Tichenon, un grand merci à vous. Merci.